Mais ça raconte à ça des histoires, un gaillard tisant avec son sauterelle. Un jour, point bonjour, tisant la trouve un sauterelle dans son cours. Lila a tellement été content de ce sauterelle que Lila a voulu montrer son trouvaille son moment. Seulement ça, le moment la trouve le sauterelle tellement gaillard, tellement joli, que le moment la préfère prendre poli et donne tisant à la place trois grains lentilles. Tisant là, t'es pas trop d'accord, mais Lila était obligée d'accepter. Et Lila partit battre son carré dans le petit chemin, grand chemin. Et là même, Lila trouve oiseau martin. Oiseau martin, t'es pour bec béqué à terre, deux, trois galets. Tisant la prend pitié. Lila offre son trois grains lentilles, le oiseau martin. Aussitôt, le trois grains lentilles à terre, tisant ses gros plairés. Le oiseau martin, pour consoler tisant, l'arrache un plume sur son dos et la donne tisant. Tisant la trouve son sourire tranche papaye. Et là même, Lila continue son petit chemin, grand chemin. Après ça, Lila rencontre un petit marmaille très écrit sur un feuille papier avec un morceau de bois. Tisant la prend pitié le petit marmaille et la offre à lui son plume. Le petit marmaille, à cette heure, quand lui peut écrire avec son plume, tisant c'est « ton matière pleurer ». Pour consoler tisant, le petit marmaille la offre à lui son cahier. Tisant tout de suite pour tout de suite la courit dans le petit chemin, grand chemin, pour aller voir M. Forgeron dans son quartier. Que l'été en train d'allumer un feu avec un morceau de la paille, mais l'été mouillé. Tisant la donne à lui son cahier pour faire le feu. Après ça, le cahier donne feu, tisant c'est pique un cri de scolaire. Et puis d'accord, monsieur le forgeron n'a plus compris rien, et ça il console le petit marmaille, et trouve moyen, trouve une affaire, et la trouve un quai bœuf. Tisant s'étrape le quai de bœuf, aller la plage, et enterre le quai bœuf dans le sable. Petit marmaille là, l'avait une affaire dans son coco. Et là même, il a parti trouve monsieur le roi dans son palais pour dire monsieur le roi que son bœuf l'avait coulé dans la sable. Et là, le marmaille, et j'ai bien la comédie, tombé en plaire devant monsieur le roi. Monsieur le roi la prend pitié, le petit kaniki marmaille, et la offre à lui un bœuf moka pour ça même. Un jour, point bonjour, tisant, la monte à nous comment il faut faire pour changer un sauterelle contre un bœuf.